Des fleurs, elles sont belles. C'est des œillets, j'en avais dans mon herbier. Mais ceux-là sont plus beaux. Hugo, il faut qu'on continue. Attends, attends, viens. Qu'est-ce que tu... C'est pour te protéger. Et puis, c'est joli. Oh, d'accord. On peut y aller maintenant. Merci, Hugo. De rien. Mon père? Encore vous? Je vous ai dit de partir. Un instant, s'il vous plaît. Vous êtes inconscient. Partez tant que vous Je le pouvez. Je vous en supplie. Quelqu'un doit nous aider. Faites-le au moins pour lui. Les armes de Robert de Rune. Nous sommes ses enfants. Nous cherchons Laurentius, le docteur. Vous le connaissez? Oui, bien sûr. Je sais qu'il s'occupait de votre famille. Il m'a parlé de toi. Je suis le père Thomas. Votre présence ici n'est pas bon signe. L'Inquisition. Ils sont venus chez nous et... Je comprends. Mais ce qui se passe ici est bien pire encore. Vous devez partir au plus vite. Ou vous mourrez. Mais, mon père, les gens du village ont voulu nous tuer. Oh, les fous. Laurentius, non. Je ne peux pas quitter l'église, mais une sortie... Par la crypte des Trois Saints, il y a peut-être un moyen. Je vais vous mettre sur le chemin de la ferme de Laurentius. Mais après ça, vous serez dans les mains du Tout-Puissant. Ça a l'air calme pour le moment. Venez. Quoi qu'il arrive, restez bien dans la lumière. Mon père, les portes marquées d'une croix dans le village, de quel mal s'agit-il? Ça a commencé par des morsures, la nuit. Puis, la maladie s'est propagée, d'abord dans les familles et chez tout le monde. La fièvre, les bubons, les gens ont commencé à mourir. Quand on a compris d'où ça venait, il était déjà trop tard. Et... ça venait d'où? Nous approchons. Frère Morel doit être ici. Nous sommes les deux derniers. Frère Morel? Restez ici. Frère Morel! Frère Morel! Mais qu'est-ce que tu as? Mon père? C'est impossible! C'est un cauchemar! On doit retourner dehors, Amicia! Je sais!
Avance! C'est... un moine. L'autre frère. On va devoir escalader ça. Je dois poser la torche. S'il te plaît! Du calme. Il y a un support, on aura encore de la lumière. Oui, mais après... on trouvera bien. Passe! Je vais t'aider. D'accord. En bâtonnement, il peut y en avoir autant. Du feu. Il nous faut du feu. Le bois va brûler vite. Ne traînons pas. Calme-toi, Hugo. La lumière nous protège, d'accord? D'accord. Alors c'est ça, leur fléau. Des rats. Le père a parlé d'une issue. Par la crypte. Amicia! Les trois statues! La crypte des trois saints. C'est la sortie dont parlait le père. Il faut tenter un autre chemin. Vas-y, grimpe. Oui. Là-haut, Amicia. Je dois pouvoir le faire tomber. Ne regarde pas, Hugo. On ne peut plus rien pour eux. C'est horrible. Je sais. Allez. Monte. Oui. Bon, on va passer en même temps. Suis-moi. Trop de bruit. Hugo, calme-toi. Pas mal. Pas mal du tout. Pas de drap. Oh non, non. Dans la lumière, vite. Je vois pas de torche. Comment on va faire? C'est bon, ça a l'air de les occuper. T'es sûr? Un autre jambon, ça devrait aller. D'accord, soyons prudents. Si on va par là, on sera à l'abri. Pas tomber, pas tomber. On va pas tomber. Tiens bien ma main. La torche.
Il y a un trou dans la grille. Je vais soulever ça. Tu peux prendre la torche? Oui. Ah, c'est lourd. Hugo, fais vite. Allez. Oh, non. Ça va? Oui. Reste où tu es. Le sol est pourri. Amicia, comment je vais revenir? On va trouver. Ne panique pas. Avec la torche, tu ne crains rien. Oui, mais toi alors? On va avancer ensemble. Comme ça, la lumière me protégera aussi à travers la grille. D'accord? D'accord. Voilà, on y va, doucement. C'est très bien. Regarde, il y a un trou là. Tu veux la torche? Oui. Il y a trop de rats de mon côté. Et moi, je passe par où? Le trou derrière toi. C'est la seule issue que je vois. Passe par là et je te rejoins de l'autre côté. T'es sûre? Si tu vois des rats, tu t'arrêtes. J'arrive tout de suite. D'accord, mais tu fais vite. Il faut que je me dépêche. Hugo va bien. Ces brindilles brûlent trop vite. Je ne pourrais pas les repousser assez longtemps. Je dois le faire descendre. Ah ! Descendre.
désolée. J'aurais pas dû te laisser tout seul. C'était trop risqué. C'est pas grave. Vas-y, monte. Oui, oui. Je connais ce dessin. Un tabar de croisée. La crypte. Oh, merci. On va pouvoir partir d'ici. Oui, loin, loin d'ici. Ça m'a l'air bien mieux. Vas-y, j'arrive. Oui, oui. Oh, c'est quoi cette chose par terre? T'es sûre qu'on doit passer par là? Oui. On est arrivé jusqu'ici, on va s'en sortir. Reste bien près de moi. Mais c'est quoi sur les murs? Je sais pas. C'est eux qui ont fait ça. Tu crois? Oui, on est dans leur nid. Ils vont être... encore plus en colère, alors? Amicia, il faut pas toucher les murs. Les vapeurs... ça brûle la gorge. Là-bas! De la lumière. On y est. On y est, Hugo. Bon. Hugo, cours. Arrêtez. Laissez-nous. On a réussi. On a réussi. On a réussi. Amicia, je veux voir maman. Je veux pas qu'elle soit morte. Hugo. Je veux qu'elle revienne. Amicia, on n'ira plus jamais à la maison alors? Non. C'est trop dangereux. Il y a des rats aussi là-bas? Peut-être, je sais pas, Hugo. J'ai peur qu'ils nous trouvent quand il va faire nuit. On sera à l'abri chez Laurentius. Allez, viens. Là-haut, un moulin. C'est la ferme de Laurentius? J'espère. J'ai jamais vu un vrai moulin. Si on reste prudent, tu en verras un très bientôt. Amicia, regarde! C'est un de ceux qui ont attaqué la maison. L'Inquisition. Ils sont là.
Comment ils font ça? C'est des animaux, bordel! Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai l'air d'un rat, peut-être? Tout ce que je dis, c'est qu'on se débarrassera pas de ces nids avec de la chaux. L'important, c'est qu'on soit parti quand le soleil sera couché. La nuit, c'est leur territoire. Allez, j'y retourne. J'ai entendu quelque chose par là. Amicia, regarde! Il y a un pont qui va vers la ferme. Ça rime à rien, tout ça. Le grand inquisiteur devrait nous dire ce qu'il attend vraiment de nous. Amicia, je n'ai pas le choix. Ça fera la paix. Avec le deuxième barrage, plus personne ne passera. Je vais sur le pont. Le chariot va revenir avec les autres barrières. Hein? C'est quoi ça? Vous là! Attendez un peu! Amicia! Amicia! On est piégé. Il y a un trou dans le mur. Je passerai pas. Tu vas devoir y aller pour ouvrir la fenêtre. Mais ils vont me voir! Je vais les occuper. Fais-moi confiance. Garde! Des intrus! Non, lâchez-le! Amicia! Tu Amicia! Veux... C'est... Non! C'est... Ah, non! Respire! Ce bruit. Faut que j'aille voir ce que c'était. Rien à signaler. Oui, à moi maintenant. Encore? J'en aurai le cœur net. Toujours rien. Et rien du tout. Bon, laissons tomber. Hein? Ça bougeait, non? Il y a quelqu'un ici! Ramenez-vous! Hé! Hey, arrêtez-moi! Vous tirez nulle part! Et vous, là! Je vais vous apprendre les bonnes manières! Au seigneur Nicolas que la route est fermée. Toute personne ou véhicule qui passerait par ici doit être arrêté et fouillé. On cherche qui exactement? Un gamin de 5 ans, Hugo de Rune, cheveux marron, les yeux bleus. Est-ce qu'il parle de moi? Mais pourquoi? Chut! C'est pas maintenant. Tel de la garde pour de les prendre vivants. C'est impératif. Le seigneur Nicolas tient ses ordres du grand inquisiteur lui-même. Alors, ouvrez l'œil. Hé! J'arrive pas à voir ce que c'est. Venez tous! On a des intrus par ici! Amicia! Alors vous, Amicia! Je vais pas vous louper! Non, ils ont fermé l'accès à la ferme. Dites au seigneur Nicolas que la route est fermée. Toute personne ou véhicule qui passerait par ici doit être arrêté et fouillé. On cherche qui exactement? Un gamin de 5 ans, Hugo de Rune, cheveux marron, les yeux bleus. Est-ce qu'il parle de moi? Mais pourquoi? Chut! C'est pas le jour du capitaine de la garde pourpre de les prendre vivants. C'est impératif. Le seigneur Nicolas tient ses ordres du grand inquisiteur lui-même. Alors, ouvrez l'œil. Attention, il y a un garde. Oui. Ça me dit rien comme bruit.
Vas-y, lentement. D'accord, pas de bruit. Amicia ? Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ils me cherchent ? Tu n'as rien fait. Ce sont eux, les coupables. S'ils nous attrapent, est-ce qu'ils vont nous faire mal ? Ils ne vont pas nous attraper, d'accord ? D'accord. Hugo ? Hugo ! Tu es où ? Oh, Hugo, ça me fait pas rire ! Boo ! Hugo ! T'as eu peur ? L'Inquisition est ici, Hugo. Tu veux qu'il t'emmène ? Ne refais plus jamais ça, tu as compris ? Bon, d'accord. Ils sont là. Grand Inquisiteur, il va vraiment nous sauver de la mort. C'est un saint. Il nous sauvera. Mais il a besoin du Seigneur Nicolas, et de nous aussi. On a tous un rôle à jouer. On s'est enrôlé pour ça. Ouais, c'est vrai. Ne doute pas, mon frère. Bon. Oh, ils sont nombreux. Ce bruit, ça venait de là-bas, je crois. Alerte, il y a quelqu'un ici. Oh non, non. Hé, les cochons. Cachez-vous, c'est dangereux. C'est quoi ça ? Les gars, j'ai des intrus par ici ! De l'intérieur. J'ai trouvé ! Par ici ! Tout le monde, par là ! Là ! Il n'y a pas 36 façons de se cacher. On va trouver. Là et m'ouvrir de l'intérieur. J'ai hâte qu'on nous relève, qu'on puisse retourner au bastion. Eh ? C'est vrai que le grand inquisiteur fait ouvrir des rats là-bas. Pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Pourquoi pas ? On va pas passer notre vie à mettre de la chaux dans des trous. Mais il y en a qui disent que c'est de l'hérésie. L'hérésie, c'est de rien faire. L'inquisition agit. Là, vous avez rien entendu ? J'y vais. Garde les yeux ouverts. Rien à signaler. J'ai trouvé quelqu'un. Ramenez-vous.